Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Lea Chaya Bat Mazal Tov, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batreina. Si vous souhaitez vous aider dans une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à Massachet Sotat Rektat Mishnah Bet. Nimsa Tamun Bagal, O Talui Bailan, O Tsaf Alpene Amaim, Lo Hayu Orfin, Shenayamar Ba Adama, Velo Tamun Bagal, Nofel Velo Talui Bailan. Basade velotzaf al pene amaim. Nimtsa samuch la sfar. Oleir sherubanochrim. Oleir shen babet din. Lo ayu orfin. En modedin. Ela meir sheyesh babet din. Nimtsa mechuban ben shtayarot. Shten meviot. Shtei agalot. Divra beliezer. Ve en yerushalem mevia egla arufa. On continue avec la lachot de la egla arufa. La egla arufa, c'est la génisse eunuquée, qu'il fallait fracasser la nuque avec une hachette. Lorsque l'on trouvait un mort entre deux villes, alors il y a une responsabilité. On aura l'occasion de plus se détailler plus loin dans les Mishnayot. Expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on reproche à la ville. Mais si, à proximité de chez moi, on trouve un mort, c'est que moi j'ai quelque chose à me reprocher. Peut-être que si je l'avais accompagné un petit peu, je l'avais indiqué le chemin, il serait peut-être pas mort. On a, en tant que ville, on a une responsabilité face à lui. Et suite à ça, la Torah nous a dit, vous devrez apporter, vous, les habitants de la ville, apporter une égla à Rouf, et lui faire la harifa. Apporter une égla, c'est apporter une génisse, qu'il va falloir ensuite, avec tout un rituel, la descendre dans une rivière, et là-bas, l'énuquer, et ça, c'est la égla à Rufa. Ok. Alors, à présent, qu'est-ce qu'on a dans notre Mishnah? On commence à nous dire, maintenant, dans notre Mishnah, d'abord, on a dit le nombre de juges qu'il fallait apporter. À présent, on va approfondir. Quel type de mort faut-il expier? Nimtsa tamun bagal. Si on a trouvé qu'il était tamun bagal, caché et en recouvert d'une avalanche de pierres. Peut-être que c'était volontaire, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'était plus Ba'adama. Et au talouï, on va expliquer d'où vient le pasouk. Au talouï Ba'ilan, on l'a trouvé qu'il était, il a été pendu. Il n'est pas par terre. Au tsaf al pnamaim, on le trouve en train de flotter dans l'eau. Il y avait là-bas une rivière, un étang, on l'a trouvé mort. Comment on l'a trouvé mort? On l'a trouvé qu'il était en train de flotter. L'Ohayu Orofin, on ne faisait pas la Egla Arufa, il n'y avait pas de mise à de Egla Arufa. Pourquoi? Shinema, comme nous dit le Pasuk, Ba'adama Velo Tamun Bagal. Il faut que tu le trouves sur la terre, c'est-à-dire qu'il soit maintenant jeté sur la terre, et pas qu'il soit recouvert par un gal. Un gal, c'est un tas un monticule de pierre qui a été mis dessus. Non, il faut que tu le trouves sur le sol. Nofel velotaloi bailan, tu dois aussi le trouver qu'il a été tombé par terre, et pas qu'il soit suspendu, qui a été pendu. Bassadé, aussi tu dois trouver bassadé, à la Torah, là, une insistance. Bassadé pour te déduire. Basade velo tsaf alpene amaim, qu'il soit sur le champ, qu'il ne soit pas en train de flotter sur l'eau. S'il a été noyé, ça ne marche plus. D'accord, on a déduit donc tout ça de pasouk. Kimatse halal ba'adama nofel basade. Ba'adama nofel basade, retenez ces trois mots. Ba'adama, pas recouvert par une avalanche de pierres qui lui est tombée dessus, même si ça a été volontaire, on l'a tué comme ça. Même si Ba'adama, Nofel, qu'il soit jeté, pas qu'il soit suspendu, et Bassadé, qu'il soit à même le sol, et non, qu'il soit sur la terre, et pas qu'il soit en train de flotter sur l'eau. Nimtsa Samouch Lasfar, autre halakha maintenant. Si on le trouve Samouch Lasfar, à proximité d'une ville de Goïm, Oleir Shirubanochim, ou d'une ville où la majorité elle est Goï. Samouch Lasfar, plus précisément, c'est comment dire, c'est une ville à la frontière. Ouais? Comme c'est en ce moment, on parle beaucoup des villes là-bas du nord d'Israël, face au Liban, et ouais, il y a quelques mètres qui séparent. Alors là, c'est à exclure, si tu te trouves en direction de chez les Goïm, c'est peut-être plus toi, donc il ne faudra plus faire les Glarofa. Au lire chez Rubanochim, on vient tout simplement entre deux villes, où il y a une deuxième ville, qui est, où il y a la majorité qui est de Goïm. Au lire chez Enbabet Din, ou encore on la trouve à proximité d'une ville où il n'y a pas de Bet Din. Là, on va expliquer ça, mais encore une petite phrase. Lo ayurfin, on ne faisait pas la Egla Rufa. Et la Mishnah me précise, en modedin, mais ela meir, shayesh babedin, on ne mesurera la Egla Rufa qu'à partir d'une ville où il y a un bet din. Si vous faites attention, c'est assez original. Il y a, la Torah, elle a insisté,
sur le fait que lorsque tu trouves donc la Hegla, lorsque tu trouves un mort, un cadavre assassiné dans la rue, sur le chemin, alors il va falloir mesurer pour trouver quelle est la ville qui doit endosser la responsabilité et apporter une capara. Mais imaginez qu'en fait on va se retrouver, vous savez quoi, on va prendre qu'il y a, on le trouve entre, imaginez qu'il y a trois villes, on dirait Yerushalayim et Mevaseret Sion, et plus loin on se retrouve avec, on va dire Telstone, d'accord, je sais pas qui, Beth Meir, c'est la suite, imagine. Donc il y a comme ça, imaginez maintenant, donc on va le trouver maintenant le mort entre Mevaseret Sion et Beth Meir. En théorie, ça se passe entre eux d'apporter la Hegla Arufa. Mais si, toutefois, il y a un Beth Meir, par exemple, il n'y a pas de Beth Din, mais il y a un Beth Din qui va plus loin, lorsqu'on va passer plus loin à la ville de Motsa. Vous voyez, oubliez Yerushalayim, c'est un mauvais exemple, à cause de la fin de la Mishnah. On a Mevaseret Sion, Beth Meir, et un peu plus loin, Motsa. Donc on a Beth Meir, il n'y a pas de Beth Din, c'est une petite ville où il n'y a pas de Beth Din là-bas. Ça arrive d'avoir une ville qui n'a pas forcément un Beth Din. Mais on se retrouve avec la ville d'après qui a un Beth Din. Alors, puisque Beth Meir n'a pas de Beth Din, et la Torah a insisté sur Ve'atsu zekenecha ve'shofetecha, il faut les sages de ta ville qui sortent pour aller mesurer, avec les sages du Yerushalayim qui sont venus pour mesurer aussi. Donc il faut qu'il y ait un Beth Din dans ta ville. S'il n'y a pas de Beth Din dans ta ville, alors cette ville-là, elle n'est pas concernée par Beth Meir, elle n'est pas concernée. On va partir chercher la ville de Motsa, qui est un peu plus loin. Et là-bas, donc, on va mesurer entre Motsa et Mevaseret Sion, pour trouver quelle est la ville la plus proche entre les deux, d'où on a trouvé le cadavre. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'a dit, que En Modedin à la meilleure cherche Babedin, on le trouve. On ne mesure qu'à partir d'une ville où il y a un Bedin, et le Barthénois, il nous rapporte en fait, que c'est déduit ça de la Gemara, le déduit en fait, que lorsqu'il n'y a pas de Bedin, alors on mesure d'une autre ville, mais pas de. En fait, l'originalité, elle est quoi? Et donc, si finalement la responsabilité. Le principe de la Hegla Arufa, c'est de vérifier qui est le plus responsable. Parce que si ça s'est passé à sa proximité, alors ils sont responsables parce qu'ils l'ont mal accompagné, ils l'ont mal indiqué. Alors il n'y a pas de raison de punir la ville qui est plus loin, hein, parce que la ville précédente, elle n'a pas de Sanhedrin, de Beth Din. Mais malgré tout, c'est comme ça, la Torah le dit, qu'il faudra apporter cette Hegla Arufa à partir, je fais le calcul, à partir de Beth Din où ils se trouvent, d'accord? Ensuite, Nimtsa Mechouvan Ben Shterot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On avait deux villes. Et on a mesuré, et c'est exactement à équidistance des deux. De l'un comme de l'autre, avec le cadavre disposé, pour éviter les problèmes avec la prochaine Mishnah, le cadavre disposé en travers, la tête et le corps, exactement au milieu. On a beau mesurer, on arrive, tu peux lui tracer un trait depuis le début de son front, jusqu'à, en passant par son nez, sa bouche, jusqu'au bout. Et tu vois, la partie droite, elle est vers la ville de Aleph, et la partie gauche, elle est vers la ville de Beth. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah nous dit, Shtein Meviot, Shtein Galot. Il faudra que les deux villes apportent chacune sa Hegla Arufa, parce que chacune elle doit en douzaine responsabilité pleinement. La Halakha n'est pas retenue comme ça, comme il nous dit le Barthénora, mais on va retenir par la Halakha qu'elles vont apporter ensemble une même Hegla Arufa. D'accord? Mais dans notre méchant, on n'a qu'à l'avis de Rabbi Lézer qui nous dit d'apporter que chacune, elle devra apporter une ville, une Hegla Arufa elle-même. Faire le rituel toute seule. Dit Rabbi Lézer. Maintenant, une autre partie de la Mishnah, c'est Ve'en Yerushalayim, mais via Hegla Arufa, que sache que Yerushalayim aussi, si, pour ça que dans l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à vous dire, entre Yerushalayim et Mevaseret Sion, c'est un super mauvais exemple, parce que Yerushalayim n'avait pas besoin d'apporter une Hegla Arufa. Pour quelle raison, quel rapport? C'est simple, c'est tout simplement parce que. La Torah a introduit la mise à Hegla Arufa en disant sur la terre qu'Hachem il te donnera, qui a été l'Ishvatecha, c'était donné à toi et à tes tribus. Ouais, la Torah nous a partagé la terre d'Israël selon nos tribus. Mais il y a une ville qui n'a pas été partagée entre toutes les tribus. C'est Yerushalayim, elle appartenait à personne ou elle appartenait à tout le monde. Elle n'a pas été partagée dans les tribus. Et de là, on déduit là toute une série de halakhot que la Gemara rapporte fréquemment ensemble. En l'occurrence, on a ici. La mise de la Hegla Arufa, elle n'est pas concernée parce que c'est pas une ville qui est à toi, c'est une ville qui appartient à tout le monde. Donc, elle n'est pas concernée par la part de l'eau de la Hegla Arufa. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Selachah Kol Tov.